不管是怎么样呢，我们的晚年呢，我自己也在想，我希望我们很多人的晚年呢，应该在一种学习和就是利他，就是帮助别人的这样的一种气氛当中，度过。Je souhaite que la vieillesse en fait soit consacrée aux études et aussi aux œuvres altruistes hein, pour aider les autres. 尤其学习非常重要。我们藏地有一种名言呢，就是叫做是，即使你明天离开这个世界，但是今天还要认认真真的学，因为你所学到的知识，这一辈子不一定能用得上，但是下一辈子呢，就像我们存款存钱一样的，就是下一辈子呢，你可以就继续使用它。Se consacrer aux études, pour moi, c'est de primordiale importance, car au Tibet, on dit que même si on doit mourir demain, donc le lendemain, on se doit continuer à travailler, à étudier, car les connaissances acquises ne servent peut-être pas à cette vie, hein, mais elles serviront à une vie prochaine. 你们也可能看过，从包括一些电视啊，就是一些画面吧，就是因为藏地的这个每个人呢，就是都有一种信仰，都有一种对自己的生命有归属感，所以脸上都带有这些笑容，而且每个人呢，就是觉得是自己的晚年，就是过得就是很快乐，就很多人的是，不会有什么寂寞啊。不会有什么怨天尤人啊，或者是对亲人的不满呐，很少都是这样的。就这是一种普遍性的，我并不是在这里，宣传什么，但是事实就是这样的。Vous avez certainement pu constater, de remarquer via, par exemple, la télévision, des images en fait sur les Tibétains. Les Tibétains ont de la croyance, se sentent chez eux, hein, ne se sentent pas perdus, ils ne ressentent pas de la solitude ni de mécontentement. Ils ne sont pas accablés par des problèmes familiaux ou sociaux. Hein. Et ça, c'est vraiment de la vérité. C'est pas simplement des images de propagande. 我在我的那个家乡呢，就是建了两所敬老院，就一所有200多人，还有一所呢就是近100人。那他们的这个生活呢非常充实，上午学习，下午学习，还有平时呢就是自己做祈祷啊、禅修啊，没有参加的时候，有些人在家里就是无所事事，但参加之后呢，觉得自己有一种集体感，也有一种生活的这种活力。J'ai donc sous ma charge donc deux maisons de retraite. Dans l'une, il y a plus de 200 personnes et dans l'autre, presque 100 personnes. Ces personnes-là donc font des études de travail le matin et l'après-midi et ils continuent à pratiquer de la prière à des moments différents de la journée. Et ces personnes-là, en fait, avec leurs études, en fait, trouvent un centre d'intérêt donc dans la vie. Et donc, ces personnes-là ne se sentent pas perdues. 我自己觉得我所做的一些事情当中呢，这个敬老院就是我很满意。每次我见到他们的时候呢，他们对我的表情呢也是很好的。我对他们呢，就是也很感觉很满意吧，就是也是很开心的。J'éprouve personnellement de la satisfaction, notamment par rapport à ces deux maisons de retraite. À chaque fois, quand ces personnes me voient, on se rencontre, elles sont très contentes de me voir et moi-même aussi, j'éprouve du plaisir à les rencontrer. 我觉得人到了一定年龄的时候呢，有一个共同的学习平台，就是这个很重要的，因为有了学习平台以后呢，就是可以很多知识整合，
增和很多知识，然后呢能学到，就像刚才那个教务长提到的一样的，从宗教学也好，哲学也好，艺术也好，科学也好等等，很多的这些知识呢，我们有共同的这样的一种团体就可以完成。如果是个人的话呢，那么这些学业都是不一定能完成的。Je trouve que c'est très bien, il est souhaitable d'avoir une sorte de plateforme commune pour donc faire des études, pour étudier, tel que, comme tout à l'heure, ce qu'a présenté en fait Madame Sulpice, l'UAD par exemple. Au sein de l'UAD, on peut aussi bien travailler, par exemple, étudier les religions, la philosophie, les arts, les sciences, donc au nom d'un groupe, au nom d'une collectivité, nous arrivons mieux à bien faire, en fait, à bien faire les études, je pense, à étudier. 我觉得人在一起的时候呢，很多人穿得更加漂亮，然后脸色、气色呢，就是比以前就是更加好看，然后很多人打扮的也是漂漂亮亮的。然后心情也开始非常舒畅啊，开心啊，所以同时我们现在的这个社会呢，也需要就很多人呢，就是做许许多多的事情。Je trouve que lorsqu'on se trouve en groupe, les gens font très attention, plus attention, pardon, à leur habit, à leur l'apparence extérieure, se montre beaucoup plus joyeux.Je pense que c'est bien de se trouver donc ensemble pour travailler ensemble. 所以，中国的这个儒教思想当中呢，有一个叫做，也是非常典型的一种这个名言吧，就是“活到老，学到老”，就是那么人活了多少年，就是一直要学到这个，就结束。还有你们。法国的这个思想家就非常了不起的作者，就是这个苏伦呢，就是他也说过，就是人就越来越老的时候，他的知识呢就是越来越丰富。所以我想，不管是东西方的哪一个知识界呢，都认为是我们人生呢就是要通过学习来完成这一生。Aussi bien donc, en Orient, donc avec la pensée confucéenne, il y a un adage en chinois, on dit on apprend jusqu'à la mort, en fait, à un moment de la mort, hein, on ne cesse pas d'apprendre jusqu'à donc, la mort s'en suive.En Occident, je ne connais pas la personne évoquée, Solena, hein, c'est un grec, je crois. Pour lui aussi, Solane, oui, excusez-moi. On apprend mieux quand on est âgé, en fait. On apprend plus quand on est âgé. Plus on est âgé, plus on apprend, en fait.Donc, il est important de continuer à apprendre.